No. This is gross. I can't believe what I just did. Il va se tourner. Il va lever la tête. Je veux pas savoir d'où tu l'as sorti ton briquet. Brûle la diapo. Brûle tout en fait. Juste tout brûler. On pourrait brûler la ville. Bon, d'accord, je vois pas la ville. Ok, ok. Je vais juste demander. Pas de problème. J'ai envie d'ouvrir la porte et de glisser la main de la momie. Et faire. Coucou! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Histoire d'être sûr que c'est pas à moi qu'on attaque. Nope, nope, nope. On peut dire nope tant qu'on a passé. Ok. Encore la veste sur moi? Non, j'ai laissé la main. Okay. Allez, go. The old archive. I haven't been here in so long. La dernière fois que t'as dû venir ici. Mon avis. T'avais pas besoin d'une main de momie. La lumière n'est pas... Y'a rien de rassurant. Mm-hmm. Hein? Hein? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Plomb. Rien d'utile. Européenne, compilation de biographies de membres influents. Compte famille, compilation, ok. Oh. La maison Le Grand. Le Grand! Qui a par la suite fusionné avec la maison Habsbourg. Et c'est haut et bas. Au fil des ans, l'avènement et la chute d'un empire industriel et la dilapidation d'un héritage par Argos le Grand. Héritage de l'énorme fortune de la famille qui a fait de l'équipe, de l'enquête sur le paranormal, l'obsession de sa fille, fond de ce volume, l'un des volumes les plus passionnants de cette collection par-dessus la troisième corde. Le Grand, on en avait déjà entendu parler dans un précédent volume. C'est dans juste ce que je cherchais. Le soin apporté à la cinématographie du jeu. Non, c'est nul. Non. Non, non. Non.
succès déverrouillé, il vous regarde. Je dis ça, je dis rien. J'ai quand même survécu en first try sur ça. C'est pas si compliqué la Japan Expo finalement. Tu fais plus jamais ça, t'écoutes à la porte! Tu fais plus jamais ça! Tu fais plus jamais ça! Hein? Quand on a la... Mais... I think this is part of what Husha was investigating. Oh, c'est partie de l'enquête de Cher. On verra, c'est un livre sur Arthur le Grand. Argos le Grand. Une biographie, une collection d'articles sur lui, je crois. Apparemment, il a passé une partie de sa vie à voyager à la recherche d'événements rares et bizarres. Des trucs de gens riches. Je ne sais pas, la biographie s'arrête soudainement juste après ce dernier voyage. C'est écrit, il est revenu sans son boîtier de fibres, sans l'énorme quantité de matériel, avec son même souvenir, la boîte à musique qu'il a apportée à ses petites filles. Elaine qui a 8 ans et Ariadne qui vient de naître. Il y a une note de Cher qui dit « Voir l'archive du journal de l'événement ». Est-ce qu'il y a une archive du journal par ici ? Ah, c'est tellement bien vu. I'll go take a look. You check out what else is in that notebook. La loi se reposait. J'en peux plus dire. Ça a renouvelé tout. Clic clic. I have to find the newspaper Professor Husher was looking for. Je pense qu'il a une vraie lampe. À Beijing sur l'histoire des sciences. Omar y était, il m'a apporté un cadeau. L'alarme incendie. Il n'y a personne dans ce secrétariat, je ne suis pas surprise. C'est le secrétaire's office sensor. La porte doit être fermée. Non! Non, non! J'ai pas écouté à la porte. Ah. Ah. Ah, plus jamais je fais ça. Et je te rends, ah oui, ça va. Ah, tranquille. Radio utilisé par le concierge. Ok. Chambre de Maxwell est petite de base. Hein? Non, c'est pas la chambre de Maxwell. C'est quoi? Ça me bute. Enfin...
va mourir l'ambiance. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je la trouve plus naturelle dans ses déplacements, elle. J'ai un peu faim, je n'ose pas manger quelque chose avec cette machine. Oh, oh, oh. Va te faire coudre, Mérino. Je suis complètement d'accord, ce mec est juste câblé différemment. Ouais. Il va faire de la couture. C'est Twitter, quoi. C'est la pépé de Twitter. Un rouleau éponge servant à peindre des murs et des plafonds. Ah, hein, il me faut de la peinture, là. Ils veulent coudre les Mérino. Qui a mis cette chaîne lourde? Oh, chaîne, 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 chaîne. On n'a pas creusé une pince, alors? On l'a pas. C'est-à-dire que c'est plus possible, on peut plus l'ouvrir? C'est pas le cas, c'est dommage. C'est le gameplay qu'il veut. C'est le gameplay. Non, monsieur. Y a rien là. C'était une fontaine, bien sûr. Of course. Oh. Mais même le chat, il est comme ça en mode. En mode. Ok. Ah, une table là. Comme si c'était pas assez flippant. Quelque chose sur la table là. Un stylo. Porte-mine. Indice. Mais le tout est étonnant. Ok. On va la récupérer puisqu'on va avoir accès à une zone, à un endroit. Je pense que... Ouais. Oh, le porte-manteau qui te fait penser à Satan. Le porte-manteau qui te fait penser... Le porte-manteau qui te fait penser au diable. Je pense que la pince, on peut plus la récupérer.
tout le monde font des réunions ici. On dirait qu'il y a quelque chose qui est obligé à partir pendant la réunion. La diapo ? Télé. Regardez, par la magie du séchage, pas la moitié rénovation, tout le matériel a été laissé à l'abandon. Pas de peinture. J'ai apporté des fleurs à la secrétaire aujourd'hui, mais elle n'était pas là. Personne n'était là. Où sont-ils? Toute l'équipe devait se rassembler ici aujourd'hui pour peindre. S'il s'agit d'une blague, je ne la trouve pas drôle du tout. Je ne peindrai pas tout seul. Je m'assois ici jusqu'à la fin de la blague. Si vous n'êtes pas de retour d'ici là, je partirai. Vous pouvez le dire au patron si vous voulez. Dites-lui en quoi vous trouvez drôle de tous disparaître. Juste parce que j'avais une demi-heure de retard. Vous verrez alors s'il rira de votre blague. Ce n'est pas drôle, sérieusement, ça ne l'est pas du tout. Allumez les lampes, veuillez allumer les lampes. S'il vous plaît. Ok. Personne, ok. Okay. C'est quoi cette... C'est un New World, attends. Il faut la bonne date. Je pense qu'on n'a rien à faire là. Un café. Une personne a écrit des trucs ici, même si l'écriture a l'air similaire, ce sont des mots aléatoires. Des mots étranges d'ailleurs. Ah, ça c'est pour se cacher? C'est une table pour se cacher ça ou... J'ai l'impression que oui hein. J'ai totalement l'impression que oui hein. Donc table pour se cacher et casier plus loin. Surcher est réfractaire au progrès concernant la technologie. Un téléphone. Le cordon de téléphone a été arraché, j'espère que... Ok, qu'il n'y a pas besoin d'appeler. Casier fermé, je suis sûr. Ok. Ces fenêtres sont toujours fermées.
l'angle de vue sans deck. C'est pas nager, c'est faire. C'était... c'était pas le technicien SFR, parce que sinon ça voudrait dire qu'on a passé 8 jours dans le jeu. Canalisation bouchée, un robinet qui fuit. Ah, j'ai eu peut-être une salle de bain, mais ok. Simple cours en tête. Ouais, ça sent les courants d'air du nord, tu vois, c'est pas... Au crapaud, ouais. Ouais, grave. Non. On va vous prendre, du coup. Maître erreur. Je suis d'accord. Flashlight. It's out of batteries. I need batteries. Okay, Max, don't move. I'm gonna find some batteries. Prends ce stylo. Mets-toi-le dans l'œil. Okay. On a la radio, hein. On cherchait. Possible couvercle des piles est bloqué. Si seulement j'avais une scie à main. Ça ne coule pas non plus. Tu es prêt à te dire n'importe quoi. Je me chat. J'appréhende de fou. Chaque fois que j'ouvre une porte, mais je vous jure, j'appréhende, mais de malade. Max, mais pourquoi? Max, non. Max, are you there?
Il est pas là. Après, il sait faire pipi tout seul, hein. Mais il a pas besoin de moi. Accès. Ça pue. Ah, c'est mon allergie à la mort qui revient. Ça fait toujours le même effet. Un lecteur de microfiche. Professeur Cher porte habituellement des vêtements qui ressemblent à ça. Ah, première nouvelle, il porte des vêtements. Il faut une microfiche, ok. Tenue, orne tenue. Okay. On me demande si les microfiches ont été archivées. Les microfiches, on peut les trouver ici, hein, il me semble. Il n'y a rien qui fonctionne. Hein? Je me suis posé la même question. Bon, bref, c'est. On est passé par ici. Là, c'est là où il y a toutes les. Ok, là, c'est là où il y a toutes les microfiches, on est d'accord. Ah! Bien! Ouvert. Nouvelle salle d'accès. On a accès à une nouvelle salle. Des rouleaux, pellicules éparpillés partout. Ça m'étonnerait que le professeur Cher ait trouvé quelque chose d'utile ici. Ok. Est-ce qu'on n'aurait pas une microfiche là ici d'ordinateur pro? Un lecteur microfiche, il y a trois. Il y en a trois dans l'archive des journaux. C'est pas comme s'il pouvait lire ma main. Ouais, donc il faut aller chercher des microfiches. Je flippe juste à ouvrir. Là. Personne n'en sait pas. It's the secretary's office sensor. The door must be closed. Capteur de mouvement qui ferme les portes, c'est pas, c'est un peu parano pour être honnête. Donc non, d'un cucu. Regarde devant toi, regarde. Ok. Pas ok du tout. Disait l'angle de caméra qui était. That must be crazier than I thought.
On peut recouvrir le capteur de peinture. Alors si je combine ça avec le rouleau. Oh yes! Je sais pas pourquoi est-ce que les cambrioleurs font des études en techno, alors que en tant que peintre en bâtiment, tu peux, je sais pas. Finalement. Just a little redecorating. Le cambriolage, le plus... Hopefully I got the damn thing to stop working. Je sais pas pourquoi George Clooney n'a pas fait l'appel à moi, je comprends. Je trouve ça hyper injuste. Ressemble à une journée de travail. C'est rose, la peinture rose. Ah oui, mais c'est la peinture de fille, c'est pour ça. Si je jouais un autre personnage, ça aurait été bleu. Un fax qui n'a pas été récupéré. Oh. Professeur Wesk. Professeur Weschker. Peter. Pas de registre. Lire. Becca, lisez ceci. Dès que vous le verrez, le professeur Usher agit bizarrement. Il arpente les archives, toute la journée perdue dans ses pensées. C'est étrange. Même venant de lui, il me répond à peine et pourtant semble semer le doute et la confusion. Il trimballe parfois une boîte à musique qu'il actionne de temps à autre. Monsieur Spencer l'a pris à partie à plusieurs reprises. Et à chacune de ces occasions, on aurait dit que Usher venait de se réveiller. Il retourne ensuite à son bureau pour y passer des heures. Chris dit qu'il a agi pareillement la nuit. Si ce n'est encore pire, nous pensons qu'il a dormi dans son bureau parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Pardon. Ah! Parce que personne ne l'a vu partir. Putain, j'imagine la personne dans la feuille. Ah! Parce que... Parce que quoi? De 100 IQ. Et c'est ainsi que Dieu inventa le perso. En outre, William a déclaré avoir entendu d'étranges bruits ressemblant à des hurlements. Enfin, ce sont que des viewers qui discutent avec la modération. Mais quand il est allé vérifier, il n'a vu personne. Aujourd'hui, il m'a interrogé sur les archives de North End. Un petit journal d'une petite ville paumée. De 1913. Que diable pourrait-il bien chercher? La réponse est dans la question, peut-être. Si vous remarquez quelque chose de vraiment bizarre, appelez la sécurité. Oh, sécurité! Ah, c'est le moment! On top départ! 1, 2, 3, c'est parti! Sécurité! Personne n'a vu Max depuis quelques jours. Ah, il est... C'est pissou, hein. Gros pissou. Giga pissou. Et j'ai l'intuition qu'avant la fin des vacances, il va sortir de son pissou. Il va se passer quelque chose. Bah genre, il va finir en sortir de... Il va arrêter le pissou, tu vois. Peut-être. Clé en plastique. 0, 1 ou 10? Moi, j'irais 10. C'est un genre de 10 plutôt. T'écris ça pour un 10. Hein. 0, 1, je dirais... Max! Yeah. Instant glass. Northstern. Advertiser. 1913. Oh. Pfff.
Je peux enfin prendre la microfiche. Microx ! Des microfiches que vous verrez plus clair que clair, plus blanc que blanc, plus limpide que limpide, grâce à Ultrax ! Une copie petite échelle d'un ensemble de documents de journalistes. Microfiche, c'est incroyable. Elles font gagner tellement de place et durent beaucoup plus longtemps que les feuilles. Oh, c'est vraiment chouette, les microfiches. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Moi, je parie 20 balles qu'il y a de l'humidité à l'issue de cette affaire. Non, ça, par exemple, là, j'aime pas. Le taux d'humidité augmente de minute en minute. Ok. Ah non. Quel jour, année 1913, hein, c'est ça? Oh non. Oh! What the fuck? C'est pas celui que je cherchais. Bon, on est bien là. Parce que là, attendez, 17 août, franchement la seule date que j'ai, c'est 17 août et encore, parce que 17 août c'est le témoignage du mec, tu vois, j'ai tellement la crainte que... Alors là on avait pris la doc... On avait tout fouillé là. Ressemble à une note de travail. C'est dans le coin, de toute façon, il n'y a pas 15 000. Je vais quand même vérifier là. Non. Je crains. Je veux pas baisser la lampe, je veux pas bouger. Je veux pas bouger, je veux rien faire. Je veux pas me retourner, elle va être dans mon dos. Max! J'en étais sûr. Là, c'est un autre bureau, tu vois. Ok, y a rien. Ah! On a ouvert ou... Ok. Très bien. On progresse. On m'a indiqué que le professeur Cher aimait ce genre de peinture.
On a trouvé un nouvel espace, un nouvel endroit. Note hâtive. Le grand Amsberg riche. Le bureau de chair. Et confronté à des difficultés pendant le XXe siècle. Que s'est-il passé? La mort d'Argos le Grand. Consulter les registres et enquêter sur la famille, le passé et le présent. Des héritiers, des parents éloignés. Je dois me renseigner sa vie, mais également sur sa mort. 17 mars. 17 mars. Je veux pas sortir. On ne perd rien à essayer. C'est toi qui le dis. Non, l'autre est... Ah, c'est... What just happened? Pipi. Grosso modo. Ça, ouais. Fermez les fenêtres, sinon il fait froid et il y a des courants d'air démoniaques. On est d'accord que c'est le 13 mars. 17 mars 1913. C'est quoi ça? Oh. Ah si. Oh, sur en bas. Météorologie, opinion, criminalité, affaires et finances, politique, sport, même les photos elles sont... Génial de trouver l'histoire que le professeur cherchait. Je dois sortir d'ici. Ça fait un moment que je me fais la même réflexion. La famille Legrand, Amsberg meurt. Argos Legrand. Héritier de la famille Legrand et propriétaire du conglomérat d'affaires LGA Inc. est décédé dans des circonstances mystérieuses avec son épouse et sa fille aînée, âgée de 8 ans. Les événements se sont produits tard, dans la soirée d'hier, mais la maison de vacances de la famille où il profitait du printemps après le voyage du magnat, bien connu, bien que les autorités aient fait très peu de déclarations publiques et que l'enquête soit en cours, la théorie le plus possible à ce jour et que la famille a été victime d'un vol avec violence. Le seul survivant étant la... Picadette. La fille cadette. 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 Cadette, la fille. La fille. Fille. Fille cadette. Ariadne, qui est saine et sauve et sous protection policière. Je ne veux pas sortir. Ok. Max!
Max. Maxou. Il faut qu'on sorte d'ici donc. Du coup, elle est d'accord sur le principe qu'on n'a plus rien à faire ici. Oh shit. What?